Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans. Le 16 septembre encore, il était sur 7 à 8 et évoquait la disparition de son ami Johnny Hallyday. C'était un garçon tendre, gentil. 9 mois après son décès, Johnny Hallyday reste gravé dans toutes les mémoires. Ce n'est pas Charles Aznavour qui dira le contraire. Ce dimanche 16 septembre, il était l'invité de 7 à 8 sur TF1. Le chanteur de 94 ans, dont la santé fait parfois des siennes, a une nouvelle fois rendu un bel hommage à celui dont il était si proche. Pourtant, Charles Aznavour faisait partie des grands absents lors des obsèques du taulier à la Madeleine. Mais pas question pour autant de ne pas avoir une pensée pour le défunt mari de Laetitia Hallyday. Bien au contraire, j'ai pris le deuil, comme on fait en Arménie, explique celui qui a récemment été hospitalisé. Et de détailler, j'ai fait 40 jours de deuil de Johnny, pas d'alcool, pas de sortie, etc. C'est ce que j'ai apporté à mon amitié. On était très proches, il a vécu longtemps chez moi, il faisait partie de la famille. Une manière de faire son deuil. Loin de l'effervescence qui faisait légion et qui déplaisait fortement à Charles Aznavour, j'ai mal vécu ce qui s'est passé autour de la mort de Johnny. Avec tous ces gens qui ont prétendu être ses meilleurs amis, avait-il confié. Charles Aznavour confirme également que c'est pour cette raison qu'avant la mort de Johnny Hallyday, il était très peu présent auprès de lui. Alors qu'il souffrait de son cancer, il y avait trop de monde autour de lui, regrette l'interprète de la Bohème. Yeah.